On se retrouve sur Mass Effect 2 pour la suite des aventures du commandant Shepard. Et a priori, tout se passait bien. Donc c'est parti, mon kiki. Par contre, je sais plus où on était. On venait de terminer une mission. Commandant, nous avons fait tout notre possible pour Garrus, Ah oui. mais il a rudement encaissé. Les toubibs ont fait des correctifs chirurgicaux et deux, trois améliorations cybernétiques. A priori, il n'aura aucune séquelle psychomotrice, mais... Shepard? Beau petit fumier, celui-là. Je pensais pas qu'il serait activé. Ah oui, en fait, le mec est vivant. Personne n'a voulu me donner un miroir. Tout ce que Miranda m'a dit, c'est que j'avais du tissu cicatriciel. C'est moche. Vous en faites pas, Garrus, vous avez toujours été moche. Mettez-vous un peu de peinture faciale et personne ne s'en apercevra. Ne me faites pas rire. J'ai le visage qui peut se disloquer d'une La seconde à l'autre. meilleure blague Certaines ever. femmes trouvent les balafres attirantes. Dommage que ce soit surtout des Krogan. Ouais. Un peu bizarre comme moment là. Franchement, c'est surtout vous qui m'inquiétez. J'ai entendu pas mal de trucs sordides sur Cerberus ces dernières années. Pour l'instant, c'est un mal nécessaire. J'ai besoin de leurs ressources pour atteindre mes objectifs. Je suis prêt à partir en mission dès que vous voulez, Shepard. Je vais voir ce que je peux faire aux batteries de proue. Très bien. Casse-toi. Alors. Non, je pourrais parler à. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des armes. Un nouveau. Très bien. Ouais. Parfait. Rien du tout. Très bien. Barry, c'est ici. Ah. C'est quoi ça? Ah oui, non. Là, y a plein de trucs là, pourquoi je peux pas les prendre? Eh, connard! Non, toi, toi je t'aime pas. Bon, c'est parti pour l'aventure. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Commandant, vous avez Oui. reçu un message sur votre terminal privé. Allons-y. Attends. Putain, ça y est, je suis déjà paumé dans le Normandie. Ah! Ah non, 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 c'est bon, c'est vrai que c'est pas comme dans le 1. On appuie et ça se passe direct. Quartier de l'équipage, Kaisen le capitaine, merci. Ça, c'est vrai que c'est bien quand même. Non. Oui. Quoi? Terminal privé. Statut commando. Contrôle le statut de votre commando. Amélioration. Je consulte juste. Non mais. Message non lu. Ouais, c'est ça. Requête de Cerberus. Nous avons reçu des informations selon lesquelles vous seriez actuellement en mission du côté de la nébuleuse d'Oméga. Nous aurions besoin de votre aide pour remédier à une situation délicate sur la planète Lorek du système Fatar. Votre mission consistera à vous infiltrer dans la base d'Eclipse et nous pensons qu'un de nos agents est retenu prisonnier. Vous devriez avoir localisé cette base grâce au transmetteur dont il est équipé. Une fois retrouvé, exfiltrez-le. Si jamais le pire est arrivé, récupérez toutes les informations sensibles que l'Eclipse pourrait avoir acquises. Il s'agit d'une mission extrêmement délicate, Shepard. Nous comptons sur votre discrétion. C'est nickel ça, parce que moi c'est vraiment quelque chose que je sais faire. Qu'est-ce que. Salut, c'est Aria qui m'a donné votre adresse. Je crois que c'est à l'au-delà que je vais vous rencontrer sur Omega. Vous m'avez empêché de me joindre à ces mercenaires qui avaient l'intention. Ah oui, mais c'est votre connard! Vous n'imaginez pas à quel point on était énervé contre moi à ce moment-là, je suis énervé toute la nuit et on perd de connaissance, ok. D'abord, c'est clair que je suis tombé sur les infos et que j'ai appris que tous ces mercenaires avaient été tués par Archangel. C'est pas qu'ils étaient exactement du même. Hein?
stupide quand j'ai vu tous ces morts. Mais c'est bon, fou en fait. Ça, c'est. On s'en fout par contre. Très bien. Donc, j'ai une mission très dangereuse à faire. Enfin, du moins. Parce qu'il faut la faire en discrétion. Et que moi, la discrétion, c'est pas forcément ma principale qualité. Donc, regardons notre journal des quêtes. Qu'est-ce qu'on a à faire? Mission. Il y a plein de trucs! Mais sérieux, il y a tout ça à faire. Ouais, bon, mais. L'information qui est intéressante. Non, j'ai pas envie de lui donner parce qu'elle c'est une pute. Mais après, elle peut être peut-être pratique. Je sais pas. Ça, c'est la meuf qui contrôle Omega là. Là, on était. Pour faire la mission pour récupérer l'autre là, Archangel, qui n'est pas du tout son vrai nom. Et du coup, j'aimerais bien aller faire ça, mais je pense que la discrétion, je sais pas. Et là, je dois faire quoi, Jack? Aucun nom de famille connu. Ah oui, il faut que j'aille récupérer, machin. Serait la boutique humaine la plus puissante jamais vue. Ah bon? Et Jack, c'est un nom de garçon? Attends, j'aime bien ça, on connaît quasiment rien sur Jack, si ce n'est qu'elle s'est par le passé distinguée par son extrême violence, ça j'aime beaucoup. Et doit donc être appréhendée avec la plus grande prudence. Jack est actuellement détenu sur le vaisseau pénitentiaire Turien Purgatory. Cerberus est parvenu à négocier sa libération. On va aller faire ça. Parce que déjà, ça me botte bien l'extrême violence, tout ça. Donc on a dit... Ouais. Purgatory donc. Alors, on va aller voir. Ouais. Comment on bouge? Dépôt, carburant, relais cosmique, relais oméga. Ah, c'est pas simple, hein. Je sais pas, y'a quoi là-bas? Fatar 0%. Attendez, je peux regarder mes quêtes ou pas là? Non. Parce que l'autre il a dit que c'était à côté, donc bon, à la limite. Disparu en mission, c'est rien. Lorek. Système Fatar. Ah, oui, d'accord. Ah oui, parce qu'en fait, a priori, pour aller récupérer Jack, c'est sur une autre... dans une autre dimension. On va aller du coup faire ça, tiens. Nous devons nous procurer du carburant, ou emprunter un relais cosmodésique, Shepard. Oui, mais moi je veux juste aller sur le truc Fatar. Putain, tu fais chier. Une distance significative. Carburant, voilà. Voilà, acheter du carburant. Ah mais j'ai tellement de pesos. C'est bon, je peux y aller là? Fatar. Putain mais c'est... Il y a des trucs. Relais cosmique, retrait professeur. Allons là. Oh là là. Eh, c'est marrant comment c'est fait en fait. Donc là, a priori, il y a des trucs. Ah non, c'est... D'accord. Du coup, je traverse le soleil, easy, inexploré. Oui. Anomalie détectée. Ah. Faisons un scanner. Lance une sonde. Lancement d'une sonde. Le platine est utile pour les projets de recherche relatifs aux fusils de précision, aux fusils à pompe et au matériel médical. Oui, c'est bien ça.
Je comprends pas en fait ce que je fais. Mais c'est marrant. Résultat du scanner, anomalie détectée. Bon, vas-y. Je mets une sonde. Ah, ça me fait des trucs. D'accord. Oui, c'est bien. Anomalie, très bien. Et du coup là, sonde déployée. Le palladium est utile pour les projets de recherche relatifs aux pistolets lourds, au blindage et aux implants cybernétiques. Ouais, c'est super. C'est super, c'est super. Donc en gros, je comprends pas. Journal. Nanana. Sur la planète Lorek, système Fatar, il est en une position de données sensibles si elle est tombée aux mains d'Eclipse. Bah, c'est là où je suis, non? La planète Lorek. Merde, enfin. Bah voilà, j'étais là. Atterrir. J'ai détecté une anomalie. Mais c'est très très bien. Balançons une sonde. Sonde déployée. Résultat du scanner, bon. Est utile pour les projets de recherche relatifs aux armes lourdes, aux mitraillettes et aux fusils d'assaut. Non, en fait, je veux juste atterrir, les gars. C'est peut-être parce que je le vois. C'est pas parce que je le vois pas, parce qu'il y a les trucs, non. Je voudrais atterrir, s'il vous plaît. Merde! Non! Salut! Vrai. Au revoir! Que puis-je faire pour vous? Ce sera tout. Oui, commandant. Comment j'ai pu arriver à lui parler alors que j'étais là? Ça fait quoi si j'envoie une sonde en fait? J'envoie des sondes. État de détresse générale. Processus automatique. Valise. Lancement d'une sonde. J'ai trouvé quelque chose. Ah bah voilà. Ah oui, d'accord. D'accord, je viens de comprendre à quoi ça sert, putain. Ah bah, il faut le savoir, hein, parce que là, comme ça, c'est pas forcément expliqué, enfin, ou alors c'est très mal expliqué, ou alors je suis très con, ce qui est très probable aussi, hein, mais pour le coup, non, je m'attendais pas à ça. Donc, j'ai ma copine qui fait des trucs, lui, il est bien, j'aime bien, même si j'aime pas trop sa personnalité, je sais pas, et elle a fait mal, a priori. Donc je prends pas Garrus. Tire perçu montée d'adrénaline. Ah, ça c'est bien. Munition incendiaire. Triche du combat. Triche du combat, c'est bien aussi. Améliore votre force, votre résistance. Pff, ouais. Tire persécutif, ça fait quoi? Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. C'est important. Ah, je vais mettre ça quand même. Ah merde, j'ai qu'un point. Bon,
Bah tant pis. Eh putain, mais pourquoi je peux pas juste choisir son talent? Alors c'est parti, c'est l'aventure. C'est plus beau que dans le 1 quand même. On arrive un peu en extérieur, ça fait du bien. Tout de suite en action là, tout de suite. Regardez l'eau comme elle est dégueulasse. Ah oui, je crois qu'il fallait être discret. Allons-y au fusil à pompe. Oh là. Oh là. Ah oui, c'est quoi les boutons? Oui, c'est quoi les boutons? Oh là. Ma sensi, c'est pas cool. Chirure. Montez dans la ligne. Putain, mais ils m'ont encore mis cette arme de merde là? Bon, attendez. Attendez. Laissez-moi me remettre dedans, parce que là, c'est le PLS total. Alors, comment le jeu marche? Faut appuyer sur des boutons, le problème c'est que on confond les boutons. Donc c'est plus dur. Alors, on avait dit, on a des trucs, on va prendre... Putain, ils m'ont remis ça, hein. L'arme en mode famous là. Putain, ils font chier, sérieux. Y'a pas moyen de changer ça? Putain. Un truc là. Voilà. Oh, j'aime pas trop ça. On va devoir faire toute la mission avec cette arme, putain. Alors attends. Toi. Tu vas te faire télékinésie la tête. Et moi, je vais faire ça. Tac. Non, je vise comme une saucisse. Non mais je suis vraiment trop en mode bourrin là. Attendez, faut que je cours. Y'a pas des médigels, c'est con ça. Allez, tire. Mais lol. Oh là là. C'est bon, je t'aide. Des gens là. Putain, c'était moche hein. J'ai l'impression que... Non mais y'a ma sensi aussi, c'est pas possible. Pourquoi sur ce jeu elle est aussi élevée la sensibilité, je comprends pas. Ah bon, si j'y suis allé vraiment comme un bourrin quoi. C'est une mission, hein. Console. Identité du sujet. Interrogateur, il y a quelques temps Eclipse est intéressé à l'agent Rawlings. On sait qu'il s'est en effet le seul à pouvoir déchiffrer certaines données décryptées que l'on a acquises. Nanana, ok, d'accord. Bon, ok. Alors, attends. Voilà. Ok. Ça c'est quoi? Ça c'est... On s'en fout. Putain. Merde. Oh, je suis con, bordel. Non, ça marchait. Non, mais c'est bon. Cible verrouillée. Quoi?
C'est bon, j'ai un AIM. Il est un peu rouillé. Quoi? Qu'est-ce qui me tue? Putain, on est mauvais, hein. Aïe aïe aïe. Donc. Ah oui, en plus, c'est pas les mêmes, quoi. Histoire de faciliter le truc. Non. Mais. Alors attends. Bon, je hais mon fusil là, c'est pas possible. Putain. Ils m'ont donné ça, sérieux. J'ai plein de. Je joue plein de merde là. Ça repasse ça? Ah là là quoi. Alors. Là. 106, putain, c'est chaud. Oui. Ouais, je commence à avoir pillé le truc. Qu'est-ce qui se passe là? Ah. J'ai toujours les yeux ouverts par contre. Cet ordinateur contient les données cryptées obtenues auprès de l'agent Cerberus. Si jamais elles venaient à être diffusées, ces données pourraient nuire gravement à Cerberus. On va les conserver tranquillement. Quoi ? Ah non, D'accord. C'est quoi cette mission, sérieux ? En gros, en fait, la discrétion, c'est juste pour vous dire que ça, c'est de la merde, ça ne sert à rien. Vous y allez, vous défoncez tout le monde, et après vous pouvez faire ce que vous voulez. Pas besoin d'être discret. C'est beaucoup plus pratique. Et beaucoup plus rigolo. Donc, ça on a fait. Tu peux bouger s'il te plaît, vaisseau. Merci. Il faut aller récupérer Baboon là. On peut pas avoir une image plus. Relais cosmique, recruter le professeur, ouais bah ça doit être là-dedans. Oui bah on y va. Si vous me donniez un peu plus de visuel dessus. Parce qu'attends, recruter le professeur on l'a. Professeur.
Oh putain. Merde, non. Journal. Le professeur, il est où le professeur? Voilà. Il dirige actuellement une clinique dans les bas quartiers d'Omega, mon accord. Donc on va à Omega. Ah là là, c'est compliqué hein. C'est compliqué. Ok, donc faut trouver le docteur. Donc en gros, il y avait deux débiles à récupérer ici. Ça fait ça à chaque fois qu'on va à Omega. C'est long. Une fois, ça suffisait. Oui. Oui. Arigato. Mais... Ah, je peux rien mettre, tu vois bien. Je reçois des avertissements de quarantaine concernant les taudis où le docteur Mordine Solus dirige sa clinique. Résistance probable à la station de transport. J'ai également lancé des recherches de rapports sur Archangel. Les divers groupes mercenaires semblent le croire mort. Mais... Je viens de le... Il est avec nous. Sois pas con. Alors... Tu peux pas faire le... Non, tu peux pas. Marketplace, lower section, lower section. C'est bizarre pourquoi c'est écrit en anglais du coup. Alors, les chefs de récupération de Ken, jetez un coup d'œil. Munitions pour armure lourde, acheter, fusil à pompe dégâts. Crédit requis 60 000. Mais là... Augmente le dégâts de 10%. Ouais, non, mais c'est cool, mais ça fait quand même très très. Mais. Soit plus du pourcent. 90 000 crédits. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est quand même horriblement cher. Qui c'est qui vend ça? C'est quoi l'arnaque? Salut. T'es quoi toi? Parler à Jacob qui est en total PLS là. Fait un peu pitié presque. Donc on va pas aller parler à des inconnus parce qu'on sait très bien que c'est pas bien. On va juste parler à lui. Bonjour, intéressé par parce que c'est un copain de Tali. Que j'empoche financera mon voyage loin de cette maudite station. Plutôt saler vos prix, oui. On peut sûrement s'arranger. J'ai besoin de pièces et d'équipements. Peut-être qu'on peut s'entendre. Eh bien, vous m'avez l'air digne de confiance. Mais s'il vous plaît, n'allez pas me dénoncer à Aroth. C'est d'accord. Y a pas de mal, je sais même pas qui c'est. Enfin, je vais pouvoir écouler quelques articles. Oui. Ah vas-y. Il est en pèlerinage, je suis sûr. Sur Omega. Mon pèlerinage. Voilà. J'étais à peine arrivé qu'on m'a volé le peu d'argent que j'avais. Alors j'ai décidé de vendre des pièces de récupération. Et vous voyez où ça m'a mené. Non mais attends. Aroth m'oblige à pratiquer des prix délirants et je n'ai pas de quoi quitter la station. Non, je vais pas te payer le voyage quand même. Parce que je suis Aroth m'a fait jurer de ne pas lui faire de l'ombre. Il était là le premier alors, c'est son droit. Mais personne n'achètera à des prix aussi exorbitants. Je ne peux rien mettre de côté pour quitter la station. Écoute, je peux lui parler. Aller lui parler histoire d'arrondir les angles. Ça vaut la peine d'essayer. Si vous pouvez le persuader de me lâcher la bride, je pourrais peut-être ficher le camp d'ici. Vous trouverez sa boutique en haut de ses escaliers, près de l'endroit où marchent et coulent ses marchandises. Merci de votre aide. Je dois y aller. Je vous en prie, venez jeter un œil à mes articles. Bah oui, d'accord, je veux bien jeter un œil à tes articles si tu les vends pas à 90 000 pièces d'or, ouais.
25 000, 50 000. Ouais, bah tout va bien. Non mais t'as fumé mon gars. Je vais pas t'acheter des trucs 50 000 crédits quoi. Non mais tu crois que... bon, j'arrive. Tac, tac, c'est parti, Kiki. Alors, donc, où est la clinique? Putain, lui, il a l'air mal en point. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Il parle sur ma vie. C'est où ces putains de... A mon avis c'est pas là. Ah, c'est stylé là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non. Bon. All, VIP only. Food. Putain, mais où est-ce que je suis? Prophète démon. Pas une carte? Putain de carte. Alors, échoppe, logement, Normandie, gare routière, ouais. Ah, c'est bien ça que je dois faire. Ah oui, faut... Professeur. Les bas quartiers d'Oméga. Ben. De là, je sais pas, c'est peut-être au sous-sol. Je ne sais pas. C'est là où j'étais, hein. Là. Non, je fais une... Ah putain. Simple. Non mais moi je peux pas aller là putain. C'est dur. Transport. Eux on s'en fout. Oh là là, mais putain, mais où est-ce que je suis? Oh, mais moi je veux aller là-bas. Bordel.
Chelou. Putain, mais je retombe dans les dans le quartier de machin là. Ah mais c'est l'au-delà, c'est le nom du... Bien. Bon bah je sais pas où c'est. Je sais pas où c'est. Là ils font la teuf. Ouais mais comme ça je peux aller voir machin non. C'est pas ça va là l'enfermement. Pas un truc comme ça, patriarche non. Attends, l'infirmerie à l'intérieur de la boîte, c'est peut-être pas le meilleur endroit. Non, lui, j'ai déjà parlé. Elle est où l'autre pute là? Vous occupez pas de nous, hein, on fait des regards. Oui, ça c'est vrai ça. Et oui, je suis mort. Et après, je suis revivant. Ça. C'est là que je dois aller? Elle est où? Elle est où? Elle est là. Salut! Qu'est-ce que vous voulez? Je recherche Mordine Solus. Vous sauriez où je pourrais le trouver? Le médecin galarien? Aux dernières nouvelles, il soignait les victimes du virus en plein dans la zone de quarantaine. J'ai du respect pour lui. Avec lui, c'est qui tout double. Oui, mais ça, tu me l'as déjà dit. Soit il vous colle une balle. Je sors idée. Comment je peux le contacter? Si vous tenez tant que ça à le trouver, prenez une navette pour la zone de quarantaine. Rien ne dit qu'on vous laissera entrer. Zone de quarantaine, okay. Ce datapad appartenait à l'un des mercenaires aux trousses d'Archangel. Vous étiez leur prochaine cible. Faites-moi voir ça. Intéressant. Quelqu'un peut-il me dire comment cette information a bien pu filtrer sur le réseau? Je m'en occupe. Merci, Shepard. Manifestement, mon organisation abrite quelques brebis galeuses. Je vais devoir y remédier. Bon, salut. Merci. Je repasserai plus tard, peut-être. Au plaisir, soldat. Je pensais que t'allais me donner des trucs. Ta gueule, toi. Donc, à la quarantaine. Voilà. C'est où? Vers la zone de quarantaine. On peut pas passer. Hey, mais c'est où? Mais non. Mais c'est gavé loin. Mais qu'est-ce que je fous là, bordel? Prends rien cette ville. Tout droit. C'est la bonne direction. Coucou. Ça non? Ok.
que c'est rejeté. Le quartier est contaminé. Ce n'est pas en vous plaignant que ça va arranger les choses. Vous je veux passer. Circuler. Toute la zone est bouclée à cause du virus. On ne laisse entrer personne. Espèce d'idiot, je suis humaine. Le virus est sans effet sur nous. Laissez-moi aller chercher mes affaires avant que les pillards ne rappliquent. Ce virus est en train de tuer toutes les autres races du quartier. On ne veut courir aucun risque. Personne n'entre tant que l'épidémie n'est pas maîtrisée. C'est qui t'emploie? Je ne pensais pas qu'Omega était policier. Qui a ordonné la quarantaine des bas-fonds? Vous venez de débarquer, pas vrai? Le gros bonnet ici, c'est Ariat Locke, une Asari. Toutes les entreprises du coin, elle les a à sa botte. Et une épidémie, c'est mauvais pour les affaires. Elle nous a engagés pour s'assurer que personne n'entre ou ne sorte de la zone sous quarantaine. Il y a un galarien dans les bas-quartiers, un certain Mordine Solus. Je dois le retrouver. Le doc? Ce vieux fou a ouvert une clinique là-bas, il y a quelques mois. Ça n'a pas plu au soleil bleu. Il paraît que Mordine essaie de trouver un remède au virus. J'espère qu'il va réussir, mais d'ici là, on maintient la quarantaine. Nous avons l'ordre d'attendre que le virus ou les soleils bleus aient tué tout le monde et de faire le ménage ensuite. Écoutez, vous êtes coincé ici jusqu'à la fin de cette quarantaine. Ça risque de prendre des semaines. L'essentiel, c'est de régler le problème au plus vite. Et ça, régler les problèmes, c'est ma spécialité. Laissez-moi passer et je remets de l'ordre dans ce quartier. Si vous vous croyez à la hauteur, pourquoi pas? La quarantaine, c'est surtout pour empêcher les infectés de sortir. J'avertis mes collègues de votre arrivée. Quoi? Vous me refoulez et pas ces gens-là? Sale petit merdeux! Vous avez un lance-grenade? Non? Alors circulez. Heureusement, le virus n'affecte pas les humains. Allez, go, go, go! Donc, on va prendre madame et monsieur. Oui, je peux toujours rien faire. Mais par contre, ah, mais voilà. Donc, 3 munitions incendiaires, agent de Cerberus, barrière. Barrière, il me faut quoi pour là-haut? Ce coéquipier n'est pas loyal. Il n'est pas loyal, ce coéquipier. Télékinésie 3, c'est bien. Et Christine, surcharge, déchirure, ça. L'équipier n'est pas loyal. D'accord. On pourrait mettre ça quand même, c'est bien. Ah d'accord, je peux pas. Je vais mettre ça là. Ok. Bon, on va couper la VOD ici. Merci d'avoir suivi et à tout de suite pour la suite.